Hey, salut. Normalement, j'étais parti pour faire une ligne droite en fait d'un point B, et y a un tumulus, donc je me suis arrêté. Je suis en Deux-Sèvres. Je crois que je suis en Deux-Sèvres. Et forcément, tumulus m'a. Je suis tumulus, donc je me suis arrêté. Et on va voir ce que ça donne. Je connais même pas son nom, mais on va voir. Ouais, donc voilà. Donc si tu veux de l'information, eh bien bon courage. Hein, je n'ai pas fait hiéroglyphe en seconde langue. Hein. La pluie a tout dévasté. Donc, c'est compliqué pour tout lire correctement et avoir toute cette formation. Je m'étais quand même dit que la lumière ça sert à rien, hein, parce que je pars pas en urbex. Et en fait je tombe sur un tumulus où on peut normalement rentrer dedans pour voir ce qui se passe. Heureusement j'ai une frontale à la voiture, mais ça fait chier quoi. Il faut toujours prévoir la lumière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bien de faire des trucs comme ça imprévus, qui sont pas sur le chemin. C'est la vie ça, le côté imprévisible. Intéressant d'ailleurs. Donc bon, ça va, j'ai une petite lampe de secours, donc de la bagnole, c'est bien. On va tester avec ça. Et la prochaine fois, je n'ai rien à foutre, même si j'en fais pas, le matos d'urbex sera dans la bagnole. Après, pour le site, l'histoire du site, je fais ça en voix off parce que je connais pas en fait. Non, vraiment pas. Il y a de la pierre sèche, tout en pierre sèche apparemment. C'est vraiment pas haut. Non, mais c'est vraiment la pierre sèche en fait. C'est joli, hein. Ça ne marche pas, c'est très joli. Ah ouais. Ok. Ah, le mec est d'accord, super. Bien, ça c'est génial. Donc on a de la belle pierre hein, sèche et une dalle en béton. Logique. Il y a de gros blocs ici. Ah, c'est cool ça, c'est bien de garder le patrimoine avec du béton. Mais bonne idée. On repart au sens. C'est un peu petite visite, hein. Bon, à part le béton et les quelques merdes là gravées sur de la pierre. De toute façon, le jour où quelqu'un en France, je dis bien en France au moins, respecte le patrimoine, même si c'était super vieux, on aura avancé un petit peu. Bon là, ce sont quand même des grosses pierres qui sont là. Je sais pas à quoi servent. Peut-être qu'ils étaient dedans. En tout cas, une qui a une gravure.
Là, ça se montre pas. Après, on a des pierres creusées comme celle-là. Est-ce que c'est creusé naturellement ou est-ce que c'est creusé par l'humain? Je sais pas, en tout cas. Il y a vraiment une espèce de cuvette là. Même chose, là, elles sont assez polies. Alors peut-être qu'avec le temps, la pluie, l'érosion, c'est naturel, sûrement. Même celle-là, là. Celle-là aussi, il y a des gravures à l'intérieur. Enfin, des gravures, c'est... En tout cas, c'est creusé. J'ai passé la voie, en tout cas, c'est pareil. Là aussi, il y a un changement de terrain. Donc là, il y a de la pierre partout. Des petites, des grosses. Là, il y a une grosse pierre. Hein. Là, il y a vraiment une grosse pierre au centre. Et après, donc forcément, si on ne va pas d'ici, il y a tout le long là, il y a des pierres qui sont aussi un peu partout. Alors que dire du monument? Eh bien tout simplement qu'il est super beau. Il devait être super beau avec ses trois chambres, au moins trois chambres, donc à vérifier après. Vu qu'il est quand même pas mal gros, il a dû servir comme carrière de pierre pour construire des édifices. Bon là, la maison la plus proche là, elle est à... on est à peu près 3 km. Parce que autrement, il n'y a rien, c'est des champs, c'est du champ. Là, il y a du champ, champ d'éolienne, champ de blé, champ de colza. Sinon, la maison, c'est là-bas, la plus proche. Et forcément, après, vu que c'était quelque chose d'ancien, avec les différents conciles du Moyen-Âge, j'en ai déjà parlé, ça a dû être détruit aussi, par rapport à ça. Maintenant, je vais vous faire le résumé du site, parce que, vu que c'est totalement imprévu, eh ben, j'ai pas de formation. Donc, maintenant, ici, là, vous avez les informations sur le site. Le tumulus de Montiou a subi une fouille sauvage en 1975. Puis, par la suite, pour sa préservation, des fouilles archéologiques ont eu lieu de 1976 à 1981. Le monument est classé en 86. Il mesure 50 mètres de long sur 22 mètres de large. Il est orienté est-sud-est. Il se divise en deux tumulus avec, en tout, 4 dolmens avec chambres funéraires, dont deux ont été détruites. C'est un des rares exemples de tumulus à dolmen multiple, à long couloir parallèle, type atlantique qui existe. Intégralement en pierre calcaire, il a été construit en une seule fois assez rapidement. Comme je l'ai dit pendant la présentation, il a été forcément pris comme carrière de pierre. Et je confirme qu'il a bien été en carrière en 1920, ce qui a donné la découverte d'une chambre annexe. Dans l'ensemble du site, il a été trouvé des ossements incomplets avec des questions qui restent encore sans réponse. Surtout sur l'aspect rituel des inhumations. Il y a eu des poteries, des perles discoïdales, en forme de disque, des coquillages. Si vous voulez en savoir plus, vous avez en description le lien vers les documents archéologiques du début des années 80. Je vous rappelle que cette visite était totalement imprévue, je n'ai pas assez d'images pour en faire une bonne vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Salut à vous!